Bonjour monsieur, vous cherchez du travail dans un hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? C'est exact. Ok, ici on s'occupe des fous. Avez-vous côtoyé des fous dans le passé? J'ai été sur Facebook pendant 5 ans. Parfait, vous commencez dès demain. Je passais et puis je t'ai vu sauter sur le ventre de papa. Tu faisais quoi au juste? Série, c'est pour diminuer l'air qui est dans le ventre de ton papa là. Tu sais que ton papa, il a un gros ventre, non? Je comprends maintenant pourquoi son ventre là, ça diminue pas depuis ces gros façons là. Maman, mais tu sais que tous les jours, quand tu vas faire les courses, là, la voisine, elle aussi, là, elle vient souffler dedans encore. C'est pour diminuer le ventre, là aussi. Hein? Siri, tu aimerais faire quoi? Lorsque tu seras grand. Ah, moi, je rêve de gagner 10 millions par mois, comme mon papa. Hein? Ton papa gagne 10 millions par mois? Non, mais c'est son rêve aussi. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Hé, docteur, j'ai un problème au mon fils. Ça fait bientôt 3 ans et il ne parle toujours pas, docteur. J'ai tout fait, mais rien. Peut-être qu'il n'a rien à dire, hein? Bonjour docteur, mon mari se comporte de manière étrange. Son comportement est trop bizarre ces jours-ci. Les matins, quand il finit de boire son café, il mange la tasse et puis il laisse le manche. Vraiment, ça m'embarrasse. Ah oui, c'est vraiment bizarre. Le manche, pourtant, est la meilleure partie.